Notamment, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'Amstel Gold avec, vous voyez, les champions du monde en titre, Julian Alaphilippe et toute la formation de Canyon Quickstep qui est prête aujourd'hui à en découdre pour protéger les champions du monde qui se parcourent vallonné 2021 comme chaque année, un très très beau placé au départ avec pas mal d'hommes présents. On a du bon monde pour protéger Julian Alaphilippe et on va le laisser aux avant-postes. En tout cas, on est parti sur ce parcours assez vallonné qui va permettre d'endosser, je l'espère, au terme de 216 km. On retrouve Julian Alaphilippe pour la Bécanie, la quatrième champion de relais, Wout Van Aert, qui associera pas Pitcock, Bourman, Hirschi, Mollema. Avec Steven Etienne, Van Avermaet également, et ça n'est pas un présenté à l'univers, Wollens, Valverde, Mollard, Jody, Matthews, Bennett, Guillaume Martin, Guillaume Cruz, Michael Van Vell, Warren Barville, ils ont joué Maurice contre Oscar Rizelius, Louis Guggen, Steve Van Marke, Roman Kreuziger, Yevon Kipet, pas mal. Springer, pourquoi pas, mais sans rien, et les numériques, je ne sais pas si qui peut être intéressant à jouer, en tout cas les statuts, à l'heure de vouloir s'y former, le plus grand mieux si l'impulsion de la numérique rabbinique, si vous voulez bien, on retrouve à l'avant, genre de poète, il est celui qui est le 26 pour la post-score, du CRC, l'impulsion, Lindemann pour la Kibécaire, Debod pour la Sala, Morin pour la Kibécaire, Cosmos pour la formation Léo. Et on retrouve en contre Lorenzo Rota pour Intermarché, Velasco pour la LE et Michael Stark pour la Genevière qui pourrait mettre le temps en minute par la Genevière, par l'AIF, la Mobistar et la IAE. Et nous on reste placé à l'avant, le château n'est peut-être pas encore défini. En tout cas, ça ne va pas être parti à Michael Stark en France. C'est certain, parce qu'on va reprendre le compte, on va reprendre le château. Là, c'est la question sur ce parcours de l'Amstel 2021 et départ ce matin de Vankelburg, l'arrivée de Vankelburg dans le monde de là, il y a 216 en URL et 212 sur l'étape du sud avec la Bidébarne. Je le précise, et bon, ça a l'air d'être difficile aussi, en tout cas, mais on va s'amuser sur cette priorité. On est parti avec Julian Alaphilippe. Je ne sais pas si je vais faire la flèche avec Alaphilippe et Liège avec Alaphilippe. En tout cas, on va tenter d'entendre quelque chose ici avec Alaphilippe. Et si, si ça marche, pourquoi pas tenter les décisions également avec Julian. Allez, on a mis la machine à rouler. Les champions français sont à la rentre. À rouler. Rémi Carreño est parti pour faire le rouler contre ça. Tout simplement, on est plus dans 5 minutes et le chapeau est repris à l'instant. Et nous, on est parti pour faire le rouleau du chasseur. On a Catano, peut-être d'aller chercher le bidon. Bah, Catano, bidon s'il te plaît. Merci. Le bidon. Catano, le bidon. Ok, le bidon. Dans le prévalent. Et bien ici, voilà, c'est bon, on a Catania pour le bidon, on va demander peut-être à Catania de ralentir un petit peu son tempo et repasser sur 27 ans maintenant, qui va en mieux. Et on a un gros train qui est en train de se faire tout simplement, on est en train d'exprimer un maximum. Est-ce que plutôt on va remettre Catania à l'arrière, on va essayer de remonter tout simplement. Même à la prestation, j'espère que cette année on va être capable de ramener le bidon. Mais nous, on est parti. Première accélération de Conrad qui était un petit peu tardé pour Patrick Conrad. J'ai l'impression que c'est ici. Le bidon, il va falloir demander à cette année, il a pas le bidon. On est en train de le ramener. On va peut-être demander à Sinofal de ralentir un petit peu. Catania ramène le bidon s'il en est capable. Et après ça, on pourra réaccélérer de nouveau. Ok,
Le bilan polonais, on peut retourner au charbon 20 km de l'arrivée, on est parfaitement dans les temps. Hein. Julien Lafilippe qui est passé à l'avant, on a la direction d'y aller maintenant. Et ça accélère du côté de Lutsenko avec Rémy dans la roue directement. Et nous, on répond présent avec Garrison, on a tout couru hein, devant Julien Lafilippe. Et on va demander déjà à tout faire courir de passer. Et ça devient compliqué hein. Pour le reste de l'équipe. Super Série qui emmène, on est plus 31 dans ce peloton. On va essayer de faire un 180 quand même. C'est un peu plus bas. On va donner de la série juste après. En tout cas, la Philippe, il est bien bien protégé, bien bien emmené. Avec Super Série ici. Il fait un bon travail, hein, Super Série. 16 km de l'arrivée, il est toujours présent pour emmener Julien. Et il va même bouffer parce qu'il est en train de se sortir avec des Trento. Ce qui est sorti là-bas, c'est Trento qui est sorti en costaud là-bas. C'est Trento qui est sorti en costaud. On va pas laisser faire, en tout cas, Série. Il va rouler. Trento, il va déjà plus 20 secondes. On aura à la fin pour y aller. Trento, il s'écrase. Et on y va nous avec Alaphilippe maintenant. On est fini pour Super Série. On y va directement avec Alaphilippe dans les roues. On reste placé avec Julien, 10 km de l'arrivée maintenant. La banderole est juste là. On va faire attention pour faire piéger. En tout cas, Série, on va le mettre en été. Voilà, c'est ça qui remonte un petit peu 5 km. De l'arrivée maintenant, les dernières difficultés vont se présenter pour Julien. Devant, il y a juste Trentin, hein. Trentin, 27 secondes quand même. C'est Julien qui fait le travail derrière à 7 km de l'arrivée. Le champion du monde, c'est numéro 1, Tindelen qui en met une à nouveau. Et nous, on va en mettre une maintenant. Avec Julien, un peu plus de 5 km de l'arrivée, on en met une petite avec Julien Lafilippe. Et on est sorti, hein. 5 km de l'arrivée, Julien Lafilippe est parti, et derrière c'est Wout Van Aert qui est en train de contrer, c'est une classe, on va le jouer à Julien, et attention, ceci, Bourman, on va prendre la roue de Valverde, tiens, Valverde me semble pas mal, et ça réaccélère du côté de Williams et de Schwarzman, et ça bouge plus là, ça bouge plus trop. 1 km de l'arrivée, on va lancer le sprint avec Julien et les virages. Il vaut mieux pas se faire avoir, mais la victoire va jouer devant et ça va être la victoire de Michael Sarman, Maximilien, pardon, Sarman, devant tout le monde, c'est Julien Lafilippe qui va faire 3, 4-4 Trentin, 5 Mathis, 6 Brady, 7 Van Aert, 8 Clark, 9 Bettel et 10 Valverde. Un très très beau podium en tout cas, 3 beaux vainqueurs et belles victoires de Maximilien Schachmann pour Boran Vigor. Victoire de Schachmann devant Wellens, à la suite Trentin, Charles-Colbrelli, Van Aert, Clark, Alberto Bettiol et Alejandro. Valverde à Laboratis, un peu sur l'Amstel, belle victoire pour Maximilien Schachmann devant la Philippe. On aurait pu la gagner, on avait lancé un peu plus tôt, mais c'est comme ça, c'est la course. Je me suis fait avoir la meilleure équipe, parce que là, ça m'a extrêmement stress. J'espère que cette petite Amstel se jugera plus. Victoire de Schachmann devant Wallis et à la Philippe. On se retrouve, nous, mercredi pour la poste wallonne et la France est la dimanche. Tout simplement, Liège, Bastogne, Liège, d'ici là, portez-vous bien, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter.